Bonjour, bienvenue dans une galaxie pas si lointaine. Très content de vous retrouver. Voilà, c'est arrivé. Il fallait bien. Un jour, c'est inexorable. Voilà, j'ai eu 40 ans. Voilà. Et donc, la grande question que tout le monde se pose, enfin, surtout Zina. C'est... Quand on a un geek de 40 ans, qu'est-ce qu'on reçoit à notre anniversaire? Voilà, qu'est-ce qu'on peut recevoir comme cadeau quand on a 40 ans, mais qu'on est un geek? Bon, évidemment que des jouets, des trucs cool que je vais vous montrer tout de suite. Bon, en vrai, j'ai aussi eu une robe de chambre et des chaussons, mais bon, ça, on n'en parle pas. Donc, on commence sans plus attendre par le premier cadeau. Et donc, le premier cadeau, Zina. Je suis un cadeau, moi? Ça dépend des jours. Oui. Alors, on commence par une pop, comme d'habitude. Il y a toujours des pop. Une dans pop les XL. Oui. Format que j'affectionne particulièrement, vous le savez, si vous avez vu les autres. Alors, elle est très jolie. Il y a quelque chose qui me perturbe. Il a 8000 abdos là. Est-ce qu'il n'y a pas un peu trop d'abdominaux? Oui, c'est ça. Voilà. Bon, blague à part. Sinon, elle est très jolie. Elle est magnifique. De qui s'agit-il? Tu l'as pas dit? De Michel. Michel, qu'on appelle plus couramment Shredder. Hein, Shredder, le grand méchant dans les Tortues Ninja. Oui. Enfin, le grand méchant, il y a Krang aussi. D'ailleurs, j'ai jamais vu de Funko de cette taille-là, de Krang, le chef de Shredder dans les Tortues Ninja, si on peut dire, l'extraterrestre, vous savez, le cerveau qui vit dans le ventre d'un robot. Vous savez, je l'avais vu. Bon, bref, elle est magnifique, sublime, tout ça. Ouais. Et donc, je suis super content. Mais c'est pas tout, il y en a d'autres. On continue avec. Je pose là, je passe devant Zina, on s'en fiche. Par exemple, regardez-moi ces deux petites canettes magnifiques. Alors, le problème, comme vous le savez, quand la personne qui les a achetées, quand il y en a deux, c'est le début d'une collection. Voilà, donc là j'en ai deux, je suis obligé d'acheter la suite. Voilà. Voilà, je suis donc pas content du tout. Si, en vrai, si. On continue. Tu sais, il n'y a plus de place. Si, on le mettra par terre ou je ne sais pas. Tout ça. Un autre petit cadeau en passant, une magnifique mug Marvel. J'allais dire Simpson. Pourquoi j'allais dire Simpson? C'est un mug. Une mug. Pourquoi tout le monde dit dans les commentaires. Un mug. Donc, Spider-Man, pas Simpson du tout. Pas du tout. Pourquoi j'ai dit ça? D'ailleurs, on continue, on montre ça. Moi, j'ai fêté mes 40 ans. Mais je. Tu m'as pas laissé parler. Tu voulais dire quoi? Bah, il y avait une annonce. J'ai fait un lapsus involontaire qui annonçait la prochaine vidéo. C'est ça que tu veux dire? Prochaine vidéo la semaine prochaine sur Matt Groening. On l'avait déjà dit la semaine dernière. Matt Groening qui est la personne qui a inventé les Simpsons. C'est ça. Donc je disais, j'ai fêté mes 40 ans, mais je suis pas le seul à avoir fêté mes 40 ans. Qui d'autre a fêté ses 40 ans cette année? Ça, la réponse était beaucoup trop longue à faire. Ouais, il est trop choupi. Ouais, il est super beau. Ouais. Excellent. Fais voir le doigt. Voilà. Oh là là, c'est trop bien. Il est super joli, ses yeux sont trop mignons et tout. Il est trop mignon. Et donc, il fête ses 40 ans, tout comme moi. Le film est sorti en 1982. Rien que quand tu dis 1900, ça fait tout de suite, tu sais que t'es vieux. Il est super joli. On continue? Ouais. Voilà, j'ai eu ce magnifique Dark Vador, très sublime, beau. En Lego. Donc Lego, déjà bon point. Star Wars, double bon point. Mais alors là, tenez-vous bien. Voyez le petit câble qui pendouille. Pourquoi le câble pendouille? Parce que, batterie externe, tu peux brancher la batterie, s'il te plaît, Zina? Là, sur le truc USB. Je l'ai eu avec un kit d'éclairage. Non, mais c'est très bien. C'est magnifique. Voilà. Donc, Lego, magnifique. Star Wars, plus. Éclairage. Ah bah alors là, on est sur du top. Donc, je remercie beaucoup la personne qui me l'a offert. Je suis trop, trop content. Voilà. Petite dédicace. On éteint. Comme ça. Par contre, on continue, Zina. On est sur du Lego. On est sur du Lego, donc on va rester sur du Lego, parce qu'il reste que deux objets. Donc, il y a des petits objets que j'ai pas voulu montrer dans la vidéo, mais... Ok, un disque. Vous savez qu'on adore la musique, mais on n'a pas encore vraiment fait de vidéo sur les vinyles, les disques, tout ça que j'ai pu avoir. Que j'ai, machin, qui sont derrière la caméra, que objectivement vous ne les voyez pas. Oui, une pour dire qu'on allait en faire. Homework, premier album des Daft Punk. Je suis archi fan de Daft Punk. Le premier album des Daft, il est sorti en 97, enfin fin 96 pour la première édition, mais si en 97, donc cette année on fêtait les 25 ans. Et en fait, à l'occasion des 25 ans de la sortie de l'album, ils ont sorti l'album, mais qu'avec des remixes. C'est moi-même, je me le suis offert à moi-même. Parce que j'aime bien tu fais souvent des cadeaux à toi-même, c'est mon anniversaire. Donc voilà, il est sublime. Oui, il est sublime. Je l'ai écouté juste avant la vidéo. Il est très très bien. Il y a des remixes des morceaux qu'ont composé l'album. Donc voilà, je ne saurais pas vous dire.
spéciale dédicace sur le Burn-In remixé par DJ Sneak. J'ai bien dit DJ Sneak, pas DJ Snake, c'est pas le même. Pas le même personne. Voilà. On fera des vidéos hein, musique un jour, hein, on l'a dit, un jour on va le faire. Mais là on l'a pas fait, puisqu'on n'a pas beaucoup trop, t'as compris. Voilà. On finit par le dernier cadeau. J'ai souhaité finir par celui-ci, pourquoi ? Déjà parce que c'est du Lego Star Wars là aussi, mais surtout parce que c'est un set que je veux depuis très longtemps. Mmh. Il est là, vous l'avez peut-être vu en arrière-plan. Il est très beau. Et alors, c'est les 40 ans de Guillaume, c'est les 40 ans d'E.T., mais c'est aussi les 40 ans de l'Empire Contre-Attaque. Et dans l'Empire Contre-Attaque... Ça fait vieux quand même. E.T., Star Wars... Oui, mais c'est très bien. Oui. C'est, je veux dire, c'est du... Oui. Voilà. Bon, tout le monde aime E.T., tout le monde aime l'Empire Contre-Attaque. Comment ça, non ? Bon, donc il est sublime. Je vais le manipuler avec précaution parce que je redoute de casser quelque chose. Il est franchement mortel. C'est l'un des 7 Lego Star Wars que je souhaite depuis le plus longtemps. Je ne me suis jamais acheté. Donc c'est des amis à moi qui me l'ont offert. Je les remercie beaucoup, comme pour tous les autres cadeaux que j'ai pu avoir. Il est très bien. Est-ce que tu peux essayer d'ouvrir la trappe qui est ici ? Oula. Pendant que je le tiens. Comme ça ? En fait, oui, comme ça. Voyez, on peut mettre des personnages dedans. Bah, voilà. C'est le principe. Si vous vous rappelez du film, il y a Luke qui s'attaque. Ah, attention, je vais essayer de faire un manipulant. Il y a Luke, il est là avec son sabre laser, il s'attaque. Vous savez, après, il fait le tour avec le grappin. Le grappin. On va le faire à chaque fois qu'on dit le mot grappin. Est-ce qu'on dit pas trop souvent le mot grappin dans nos vidéos ? Je sais pas. C'est pas un mot pourtant. Qu'on a fait. Je m'égare. Donc, vous voyez, il est trop bien. Il tourne la tête. Ici, on peut ouvrir. Hop. Et dedans, voilà, il y a General Veers. Regarde Star Wars quand même. Très stylé. Le pilote, tout ça, il est mortel. Il y a des missiles. Si on appuie là, ça part. Je vais pas le faire parce que ça serait ridicule. Tout ça, c'est articulé. Un bémol. Un petit bémol. Il faut bien trouver un point négatif. Pourquoi Lego n'a pas caché ses pièces bleues ici ? Regarde, pièces bleues là. C'est bizarre, Lego quand même. Voilà, donc il est sublime, il est magnifique. Je vais le remettre là-bas, doucement, tranquillement. Il fait bien évidemment maintenant partie de mon bureau, comme ceci. Voilà. Il est sublime. Alors, il est livré avec petit motojet des neiges, hein, parce que vous savez, ça se passe sur Hoth, la planète des neiges, de glace, tout ça. Hoth. Oui, c'est marrant. Oui, parce qu'en anglais, parce que ça veut dire chaud. Sauf que là, ça s'écrit H-O-T-H. Voilà, mais je pense qu'on a perdu. Et en plus, il faut des fautes d'orthographe, c'est quoi ça ? Donc, c'était une petite vidéo rapide pour vous maintenant montrer. Maintenant, vous savez ce que un geek de 40 ans, a pour son anniversaire. Est-ce que tu es pressée d'avoir 40 ans, du coup, Zina ? Ah non, ça justifie pas être pressée. Mais t'aimerais avoir ce genre de cadeau à 40 ans ? Non. Si, je veux bien. Tu veux quoi pour tes 40 ans ? E.T. E.T. Alors attends, pour tes 40 ans, E.T. il sera super vieux quand même. Bon, bref. Est-ce que tu veux rajouter autre chose ? Non. N'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche de notification. Ce réflexe professionnel que je n'ai absolument mettez pas. Mettez des commentaires, parce que si vous aussi vous avez eu 40 ans récemment... Non, surtout pour nous dire un mug ou une mug, ça m'intéresse. Oui. J'ai dit quoi tout à l'heure ? T'as dit une mug. Alors que d'habitude je dis un mug, en vrai. Parce que c'est la personne qui n'est pas dans ces vidéos c'est elle qui dit une mug d'habitude et on la reprend en disant un mug. Donc nous on a déjà tranché, c'est un mug, je sais pas pourquoi j'ai dit une. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis dites-nous les petits cadeaux, ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, tout ça. Voilà. Ciao, bisous, bye, bande de nazes.